mieux qu'elle arrive à la fin. Vous la voyez arriver sur le tapis rouge de ce 46e Festival Cinéma Américain de Deauville, entourée du maire de Deauville et du préfet de la région, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Roselyne Bachelot présente ce soir pour cette soirée d'ouverture du 46e Festival du Cinéma Américain de Deauville et de la soirée d'hommage au comédien américain Kirk Douglas. Soirée qui sera suivie de la projection du premier film de la compétition officielle, Minari, réalisé par Lee Isaac Chung. Il ne reste plus que... Madame la ministre, s'il vous plaît. Madame la ministre, s'il vous plaît, sur le côté. Voilà. Un sourire. Un sourire. Ouais. Ouais, en face. S'il vous plaît, retouchez le. Voilà, s'il vous plaît, tous les trois en face, oui. Voilà, s'il vous plaît. Et pour Rachid. C'est pas quand il y a le caca. Ah, qui a bien voilà, Roselyne, s'il vous plaît. Vous avez un petit regard pour nous, pour finir, voilà. Merci. Voilà, Astrid, un petit regard sur le côté. Astrid, Astrid, sur le côté. Sur le côté, Astrid. Allez, les filles, s'il vous plaît, les filles, ensemble, voilà, regardez-moi, ouais. À droite, ouais. Thierry Frémaux et Pierre Lescure qui nous ont apporté un petit bout de croisade avec certains des films de la compétition officielle de ce festival. Entouré du préfet de la région de Philippe et d'un Philippe présent. Ce soir, lui aussi sur le tapis rouge de cette 46e édition du Festival du cinéma américain de Deauville, Édouard Philippe. Bonsoir, bienvenue à Deauville. Bonsoir. Pas loin de chez vous. De l'autre côté de Deauville, je suis en face. Qu'est-ce que ça représente, le Festival du cinéma de Deauville, à votre avis? Beaucoup de notoriété, beaucoup de plaisir. Mais vous pourriez poser la question à vous, vous pourriez dire qu'est-ce que ça représente pour le cinéma et le festival de demain. Et oui, la réponse. Beaucoup. Qu'est-ce que ça évoque le cinéma américain pour vous personnellement? Ça représente... Quand j'étais petit, j'avais pas la télé chez moi. Et le seul moment où je voyais des films, c'est quand j'allais chez mon grand-père. Et mon grand-père était fan de western. Et donc le cinéma américain, pour moi, c'est des westerns avec mon grand-père, le mardi soir. Et puis ça dure comme film. Est-ce que s'il fallait en choisir un, vous avez un film américain préféré? Le parrain. Ah! Le parrain, pourquoi? De loin. Pourquoi? Ça n'a rien à voir avec mon occupation professionnelle. Parce que c'est le meilleur, film de l'histoire. Et vous savez, ici à Deauville, on aura la chance d'avoir la femme de Francis Ford Coppola, Eleanor Coppola, avec le film en compétition. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup. Merci. Je pensais que c'était pas Kenny. Monsieur le parrain, s'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît. Ici, s'il vous plaît, en face, Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît.